Il y a une grande star qui a voulu absolument être sur ce plateau ce soir. Ah. Elle a voulu rencontrer Gilles Verdez, Mathieu Delormeau et Bertrand Chamerois. C'est mon cadeau. Ouvrez les yeux, Bertrand. Non mais Cyril, je dis, ça me, je suis désolé, peut-être je sais pas bien pour l'émission, mais ça me gêne que qu'on fasse ça. Il dit que c'est pas bien pour l'émission qu'on soit tout nu. Il va y avoir des trucs quoi. Quoi, vous pensez qu'on va avoir des plaintes? Mais j'en sais rien, mais c'est pas. Il est inquiet pour nous. Bah oui, vous voyez, là si vous mettez sous la table, vous voyez quoi? Non mais je veux pas voir. Vraiment, j'ai un complexe de enfin je n'aime pas. Mais on n'est pas moche, donc ça. Non mais c'est pas que. Qui est le plus moche tout nu? Gilles est pas ouf quoi. Je remets du tissu. C'est bon. Voilà. J'avais oublié que j'étais à poil. Et voilà, là, il a dû se dire, il y a Agnoula qui s'est frotté à moi. Oui, Gilles. Il faut être gentil avec Bertrand. J'avais oublié. Oui, Gilles. Alors, attention, elle a voulu être ici, en exclusivité. N'en touche pas à mon poste. Ce soir, est-ce que vous avez envie de voir Rihanna, Mathieu Delormeau? Ah oui, Rihanna. Rihanna est là. Gilles Verdez. Rihanna. Et là, Bertrand Chamerois, vous avez envie de voir. Je suis fan. Vous êtes fan de Rihanna? Rihanna. Eh bien, Rihanna. Et là, ce soir. Bertrand, Mathieu, vous voulez faire, attendez, Mathieu, vous voulez faire un petit selfie avec Rihanna? Mathieu, allez-y, faites un selfie avec Rihanna, venez Mathieu, venez. Oh, c'est ouf. Rihanna, comme elle est belle. C'est Rihanna, allez-y, faites un selfie. Tweetez-le, vous êtes avec Rihanna. Vous voulez en faire un aussi, allez-y. Oui, mais Julien Lalonde, il m'a pris mon téléphone. Bah non, mais allez-y, allez-y, faites un petit tweet. Rihanna, quoi, Rihanna. Oh, Rihanna. Elle est belle. Est-ce que vous, les chéris, vous avez reconnu Jay-Z? Oh. Non. Elle est plus avec Jay-Z, Rihanna, c'est vrai. Ah ouais. Ah ouais. Voilà. Est-ce que vous pouvez lui chanter une petite chanson à ses doigts sur l'oreille? Looking for my umbrella. Tu vas intimider. My umbrella. Qu'est-ce que vous avez envie de lui... Allez, les chéris, qu'est-ce que vous avez envie de lui dire à Rihanna? C'est le moment. Alors, Bertrand. Moi, je suis mauvais en anglais. Bertrand. Ah, il... Bah, dites-lui dans l'oreille. Allez lui faire un bisou. Mais non, mais... Bah, faites-lui un bisou, c'est Rihanna. I really like your last song. And... Mathieu, dites un petit mot à Rihanna. Dites un mot à Rihanna. Elle est belle ou pas? Oui. Non, c'est pas you're beautiful. Non, mais c'était... Qu'est-ce qu'il y a, Bertrand? Vous m'avez rien dit, alors. Attendez, il y a Bertrand qui me pose une question. Est-ce qu'elle va faire un live? Demandez-lui. Oui, elle va faire un live. Allez-y, c'est parti, live de Rihanna. Vous voulez lui faire un dernier bisou à Rihanna? Ça m'étonne pas parce qu'elle était au défilé Balmain.
cette semaine. Bah, elle est habillée pareil. Donc, merci. Il lui fait la bise. Merci. Tu dis, Mathieu, t'as fait la bise à Rihanna quand même. Oh non, c'est pas possible. Merci Mathieu, merci Jules. C'est bon, c'est... Merci Rihanna d'avoir été avec nous, merci. Pour vous dire que c'est un mec, il est exceptionnel, c'est hein, Cyril, elle, vraiment, et Stéphane, vous avez la chance. Elle veut plus partir, là. Elle peut pas rester parce qu'elle veut plus partir. Mais vous savez pourquoi elle doit partir? Elle doit aller rejoindre sa mère. Mère, ah, on a tout bien contre mère. C'est bon, dimanche soir au Parc des Princes, vous avez dit que Rihanna vous kiffait. Vous avez... Eh ben, c'est faux. Demandez-lui, demandez-lui. Rihanna, il vous kiffait. Alors Rihanna, regarde-le. Rihanna, merci qui est avec nous. Merci Gilles Verdez, merci. Oh là là. Guillaume et Frédéric. Je sais que c'est une émission particulière aujourd'hui. Oui, Bertrand oui, oui. Réclame la photo, il veut les photos. Non, mais je lui envoie parce qu'il n'a pas son. C'est impressionnant. Hey, Bertrand, c'est pas fou, Rihanna, sur le plateau quand non, même. Non, il est fort. Ah, c'est fort, hein. Je regarde pensais pas que. Regardez, regardez. Vous la trouvez mieux en vrai? Vous la trouvez mieux en vrai ou bien? Mais en vrai, non, j'aurais aimé plus parler, mais je suis toujours. Enfin, vous savez que je suis timide, en vrai. Ouais, donc, c'est vrai, voilà. Mais vous la trouvez comment? Vous êtes déçu de son physique ou la trouvez belle? Franchement, non. Vous n'êtes pas déçu? Elle est comme vous l'imaginez. Bah, moi, je trouve. Ouais. Et vous, Mathieu Delormeau, comment vous la trouvez, Rihanna? Non, mais... T'as envoyé la photo. Comment vous la trouvez, Rihanna, vous? Non, elle est belle. Et, enfin, franchement, c'est... Enfin, c'est ouf, quoi, d'avoir ça sur un plateau en France. Juste le truc qui... Enfin, regardez. Elle a les cheveux gris, quand même. Non, mais je sais pas. Elle est très, très belle, la photo, vraiment. Ouais, c'est vrai qu'elle est belle. Et Gilles Verdez, comment vous la trouvez, Rihanna? Elle est belle et sympathique. Ah, c'est vrai. Mais, non, mais moi, j'avais déjà rencontré Justin Bieber une fois. C'était... Ouais, Justin c'était Bieber, au jour de Vincennes. Non, juste, enfin, c'est pas, j'ai rien contre elle, mais j'ai l'impression qu'il y avait plus d'ambiance sur le plateau avec les Bogdanov qu'avec Rihanna. C'est-à-dire que vous êtes plus restés comme des. Ouais. Juste, à un moment, vous avez pas vu. Elle était en train de chanter. Trois qui ont dansé, il dit. C'est ouais, ça, moi j'ai dansé, mais bon les. Mais enfin après, bon Valérie, elle a des petits soucis peut-être, mais je fais ça. Non, ça va, moi. Non, mais c'est vrai. Et vous, Gilles, elle est sympathique, oui, mais... elle est chaleureuse, mais elle voulait rester avec nous. C'est ça qui est extraordinaire. Ouais. Je crois que depuis qu'elle a quitté Jay-Z, elle a vraiment changé, Rihanna. Qu'est-ce qui vous a plu... Qu'est-ce qui vous a le plus plu dans son physique? Rihanna? Oui. Eh ben, je trouve qu'elle a la peau toute douce. Et vous, Guillaume, ça vous a fait du bien quand il s'est... Ah oui, mais... Votre amitié avec Mathieu Delormeau. Moi, je trouve qu'elle a un peu un sourire chevalin, non? Tu ouais. Pas. Il apprend, non? Un peu, hein? Non, mais c'est vrai, elle a quelque chose. Elle a les cheveux gris, la surface, ses racines. Ouais, c'est vrai.